Après les ballons chinois au-dessus des États-Unis, voici la version russe en Ukraine. Kiev affirme avoir abattu hier des ballons venus de Russie. 6 engins qui dérivaient au-dessus de la capitale ukrainienne. Nicolas Tonev, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. Alors les militaires vont récolter maintenant les débris de ces ballons et répondre à une question, Nicolas, à quoi servaient ces objets volants ? Oui, parce que d'après les informations que laisse filtrer l'état-major de Kiev, ces ballons ne volent pas haut, sont ordinaires, remplis de gaz, ce qui les rapproche d'un engin à usage militaire, c'est la présence d'un réflecteur d'onde et peut-être aussi d'un radar, deux outils qui permettent de déclencher la défense antiaérienne en se signalant littéralement à la veille adverse. Si tel est le cas, l'espionnage n'est pas le but puisqu'il faudrait alors rester discret. L'objectif serait donc plutôt de tester d'une part la défense antiaérienne et d'autre part de la localiser grâce aux tirs des missiles utilisés pour abattre les ballons et grâce aux émissions radar nécessaires pour les diriger. Alors faut-il faire le rapprochement ? D'après le Financial Times, citant des sources de renseignements occidentales, la Russie masserait avions et hélicoptères près des frontières ukrainiennes pour une prochaine attaque aérienne massive. So we need to be prepared for long haul. This may last for many years. But at the same time, we should just be prepared for the unforeseen. And that's also the reason why we should invest in our defense and defense. Et c'est un jour historique pour la Bourse de Paris. Le CAC 40 qui pulvérise un nouveau record, 7387 points, plus de 13% de hausse depuis le début de l'année. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Vous sabrez le champagne. Un stratosphérique qui complète la panoplie des armes militaires. L'Ukraine utilise aussi des chars, des systèmes de défense antiaérienne, des radars, autant d'équipements livrés par les Occidentaux. Et la semaine dernière, on a parlé de ce chiffre sur Europe 1, 7,4 milliards d'euros, le montant de l'aide française via l'Europe. Mais qu'en est-il du soutien militaire précisément ? Quel montant et quel impact sur le stock de nos armées ? L'Assemblée nationale va se pencher justement sur la question. Information Europe 1, signé William Molinier. Du ministère des Armées jusqu'à l'Elysée, personne n'est aujourd'hui en mesure de chiffrer précisément le montant de l'aide militaire française fournie à l'Ukraine. Les députés entendent se pencher dans les prochaines semaines sur cette zone d'ombre. Thomas Gassiou, président Renaissance de la Commission de la Défense à l'Assemblée nationale. Il est intéressant que nous nous y intéressions dans le cadre de notre mission de contrôle, parce que ce soutien est important. On parle aujourd'hui d'un soutien de 1 à 2 milliards d'euros. On parle souvent du matériel qui est cédé, mais il y a également typiquement du renseignement. Nos gendarmes, par exemple, ont documenté les crimes de guerre. Il peut avoir des soutiens logistiques. Par ailleurs, il faut qu'on analyse la capacité, j'allais dire, à assumer ce soutien dans la durée et les impacts que ce soutien peut avoir sur nos propres forces armées. Un chiffre non confirmé officiellement circule, celui d'1,7 milliard d'euros. Parmi les tout derniers armements livrés, une première vague de 14 blindés AMX-10RC est partie depuis l'Hexagone et devrait, selon nos informations, arriver dans les tout prochains jours sur la ligne. Moscou dit considérer la destruction des gazoducs Nord Stream en septembre dernier comme, je cite, « un acte de terrorisme international ». L'ambassade de Russie aux États-Unis affirme que Washington devrait essayer de prouver qu'il n'était pas derrière la destruction des pipelines. Au début du mois, le journaliste américain Seymour Hersh a cité une source non identifiée affirmant que des plongeurs de la marine américaine avaient détruit les pipelines avec des explosifs sur ordre du président américain Joe Biden. La Maison-Blanche a rejeté ces allégations. En Ukraine, à présent, Bakhmout résistera jusqu'au printemps. Une déclaration des paramilitaires russes Wagner. Cette ville est désormais l'épicentre des combats entre Moscou et Kiev. Oui, et l'armée russe pilonne sans relâche, grignote du terrain, même jour après jour. Nicolas Tonev, envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine, pays qui dans une semaine dépassera les 1 an de guerre. Nicolas, vous êtes à Bakhmout où la tension monte dans toute la zone. Oui, plus les jours passent, plus la ville et ses alentours ressemblent à une gigantesque garnison. Les files d'attente aux stations-service sont constituées de véhicules militaires. Les files d'attente dans les supermarchés, de plus en plus de groupes de soldats, parfois porteurs de leurs armes. L'absence quasi totale d'enfants également se remarque au bout de quelques jours. L'habit civil devient une rareté dans les rues. Il m'est arrivé à deux reprises d'être interpellé par des personnes me demandant si en tant que journaliste j'avais des informations sur le front de Bakhmout, sur l'avancée ou non des Russes, sur la résistance de l'armée ukrainienne, sur le temps que pourrait prendre la prise de la ville. Les personnes qui sont restées voient aussi les tranchées être creusées entre Bakhmout justement et Kramatorsk, les blindés être positionnés le long des routes sous le couvert des arbres, autant de signes qui semblent indiquer que l'armée ukrainienne envisage, entre autres scénarios, un possible recul dans la région. Nicolas Tonev, envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. C'est faux. Alors, il y a une réalité qui est vraie.
c'est que les Russes, tactiquement, souffrent toujours de difficultés. Ça, on ne peut pas le nier. On l'a encore vu avec les vidéos qu'ont été publiées la semaine dernière sur un échec d'une colonne de fusiliers marins du Pacifique devant Ouglédar. Les Russes ont encore, effectivement, des fois, des problèmes tactiques à régler. C'est vrai. Mais est-ce que c'est pour ça qu'ils sont en train de perdre la guerre? Pas du tout. Pas du tout. Et c'est pas parce que les Ukrainiens ont effectivement fait preuve de beaucoup d'habiletés tactiques, notamment au printemps dernier, en défense, et de courage, parce qu'effectivement, ils n'avaient pas beaucoup de moyens lourds à opposer aux troupes russes. Est-ce que c'est comme ça qu'ils gagnent la guerre? Ben non plus. Ça ne marche pas. Hein. Donc, on voit à quel point on n'est toujours pas sorti du marasme de ce côté-ci du monde. Hein. Alors, il faudrait peut-être que ce monsieur se fasse livrer le dernier livre de notre camarade Benoît Billan sur l'art opératif, hein, pour qu'il comprenne un peu comment ça marche, et puis qu'il arrête de raconter les mêmes âneries que raconte la majorité de ses homologues, sauf le général Matisse, depuis maintenant 70 ans. Ça ferait pas de mal, et ça ferait pas de mal notamment à l'Ukraine, hein, parce que je rappelle que la stratégie globale adoptée par l'armée ukrainienne, celle des Festungen, hein, de résister à tout prix en s'enfermant dans des villes sous le principe de l'exemple de la Wehrmacht en 44-45, c'est pas vraiment comme ça qu'on va arriver à gagner une guerre, hein, alors que la souplesse et des contre-attaques localisées auraient probablement produit de meilleurs effets. Donc, bon. Voilà, c'est du grand n'importe quoi. Pas le courage ukrainien, hein, ça je suis d'accord, les soldats ukrainiens, justement, parce que plonger dans ces inepties, faut avoir effectivement beaucoup de courage pour continuer de tenir la ligne de front. Maintenant, quels sont nos objectifs? Parce que moi, ce qui me frappe dans la situation actuelle, quand on voit, et on va en reparler, quand on voit un petit peu comment le narratif est en train de changer, hein, c'est-à-dire que plus en plus d'endroits, y compris certains des pires ganaches, hein, Yakovlev par exemple, sont en train de dire que ça va être très compliqué de faire gagner l'Ukraine. Bien, donc j'ai un peu le sentiment qu'aujourd'hui les Russes ont cet avantage de savoir ce qu'ils veulent et de mettre en œuvre des objectifs politiques, stratégie, et ensuite le combat au service de ses objectifs, eh bien, les Américains, ils sont quand même dans une situation compliquée. Ils ont provoqué cette guerre délibérément, c'est clair. Ils ont pensé qu'ils allaient mettre la Russie à genoux avec des sanctions économiques, c'est raté. Ils pensaient que la Russie allait être isolée au plan politique, c'est également raté. Et sur le terrain, la Russie ne fait pas comme on pensait qu'elle allait faire. Une blitzkrieg, peut-être, non. Ils opèrent de façon différente et d'une façon qui est difficile pour certains observateurs militaires, j'ai l'impression, hein, est difficile à appréhender. Donc, je voulais savoir quel était ton point de vue sur cette absence, peut-être, hein, cette absence d'objectifs américains face à la situation actuelle. Je pense que le problème, il vient de ces gens qui n'ont eu de cesse de dire, comme la Rand Corporation, nous le rappelons en 2019, de dire il va falloir extend Russia, étendre les moyens de la Russie au sens les solliciter pour l'affaiblir, mais sans donner les étapes pour y parvenir, sinon dire bon ben voilà, à un moment donné il faudra qu'elle rentre en guerre avec l'Ukraine. Et puis, vu l'état du régime russe, ça va tomber tout seul, ça va pas porter très loin, et le château de cartes s'effondrera sous nos yeux. Donc, encore une fois, on est sur beaucoup de wishful thinking, hein, c'est-à-dire que les types se sont dit « il suffira de », sans regarder quelles sont les étapes pour y parvenir, quels sont les moyens adéquats à mettre en face de ces étapes, et puis ils ont lancé la machine, et aujourd'hui… Aujourd'hui, ils constatent que cette machine ne porte nulle part et ils tentent par tous les moyens de se rattraper à des branches, alors aussi bien dans le narratif, hein, comme tu le soulignes, que à d'autres aspects purement techniques ou tactiques pour nous dire « oui, oui, mais c'est bon, on va réussir à passer ceci, cela ». Non, c'est pas possible. C'est-à-dire que ça, c'est fait pour se rassurer. Ça n'apportera rien d'autre. Parce que effectivement aujourd'hui, tout est contre eux. La Russie n'est pas isolée diplomatiquement,
La Russie est en train de rebondir économiquement, comme nous l'a si bien expliqué Jacques Sapir il y a 15 jours. Et puis, sur le plan militaire, alors oui, là encore, on voit l'inadéquation entre la pensée occidentale et la pensée russe, qu'on vient d'évoquer tout à l'heure dans les propos de Maïlet par rapport au problème de doctrine. C'est-à-dire que parce que les Russes essuieraient des échecs tactiques, ils vont perdre la guerre. Mais non, non, jamais, jamais. Jamais ça se passe comme ça et jamais ça ne se passera comme ça. Parce que les Américains, eux, par contre, sont persuadés, malgré tout ce qui leur est arrivé, que la succession des succès tactiques finirait par aboutir à une victoire stratégique. Ils n'ont toujours pas compris que c'était complètement dans l'autre sens. Et qu'effectivement, bah, les Russes, ils peuvent avoir une colonne de 30 véhicules qui est en difficulté à Ougledar il y a 15 jours. C'est pas pour ça que la manœuvre qui a été pensée à Ougledar, dont certains disent qu'elle permet d'attirer des renforts loin de Bakhmout, n'aboutira pas. Ok, ils auront peut-être perdu 30 véhicules, mais peut-être que du coup, les deux brigades d'artillerie ukrainiennes qui ont été ramenées dans le secteur d'Ougledar pour éviter la percée des Marines, ben, elles sont en train de manquer à Bakhmout et que c'est ça l'objectif des Russes, quitte à sacrifier de temps en temps, tactiquement, des succès. Voilà, donc quand on n'a pas la volonté de comprendre ce genre de choses, ben, on continue de raconter n'importe quoi, on continue de se voiler la face, et donc on se dit, bah tiens, il va falloir qu'on réfléchisse à ces questions. L'armée russe, elle a tenté timidement d'entrer dans Kharkov. Elle a compris que ça ne marcherait pas, elle s'est repliée, et elle est passée sur les côtés. Ils ont vu la même chose à Soumy et à Tcherniv. Ils n'ont pas essayé de prendre ces villes-là parce que de toute façon, dans leurs objectifs, ça n'avait aucun intérêt. Mais la seule vraie bataille, pour moi, claire, nette et précise, urbaine, que les Russes n'ont pas gagnée, c'est celle de Nikolaïev. Voilà, c'est la seule. On peut dire, ah oui, ils ont tenté de s'emparer de Nikolaïev et ça n'a pas marché. Voilà. Alors, sur le nombre de villes qui sont concernées par l'attaque initiale, bah, ça ne fait pas grand-chose à se mettre sous la dent pour justifier les propos de cette dame. C'est encore une fois très limité. Voilà. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas pris Nikolaïev que toute l'opération s'est effondrée, je le rappelle. Voilà. La ville bavaroise sera une fois de plus le centre de la diplomatie internationale. Les chefs d'État et de gouvernement se réuniront à l'hôtel Bayerischer Hof de la ville pour 3 jours de débats intensifs. Une grande différence cette année, cependant, pas de présence du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Et l'Iran n'a pas été invité. Cette année, l'Allemagne a invité davantage de responsables politiques des économies émergentes. Elle essaie de s'éloigner d'un événement où les Européens et les Américains ne parleraient qu'entre eux. Néanmoins, la conférence sur la sécurité risque encore d'être dominée par le conflit en Ukraine et les derniers désaccords entre les États-Unis et la Chine. Le plus haut diplomate chinois Wang Yi participera à la conférence. Il devrait exposer la vision de la Chine sur la situation de la sécurité dans le monde. On raconte que des rencontres auront lieu entre les responsables chinois et américains, mais aucune partie n'a encore confirmé. Nous sommes ouverts au dialogue lorsque c'est en notre intérêt de le faire et que nous pensons que les conditions sont réunies. Je sais qu'il y a eu des reportages sur une rencontre potentielle à Munich, mais je n'ai rien à annoncer aujourd'hui. But I have nothing to announce today. Wang Yi est le plus haut responsable chinois à se rendre en Europe depuis le 20e congrès national du PCC. Alors que le conflit en Ukraine continue de faire rage, certains analystes pensent que les pays présents à Munich sont prêts à travailler sur d'éventuelles propositions de paix. Moving away from the current military. Il s'agit de s'éloigner de la confrontation militaire actuelle pour au moins mettre fin aux hostilités militaires et peut-être qu'une proposition de paix à long terme en sortira également. Mais n'attendez pas de miracle de ces 3 jours de réunion. Même si aucune décision concrète n'est annoncée ce week-end, les nombreuses rencontres bilatérales durant la conférence de sécurité devraient permettre de lever certains désaccords diplomatiques et ainsi assurer plus de sécurité dans le monde. Je rappelle rapidement, Elon Musk, nouveau propriétaire du réseau social Twitter, révèle peu à peu et depuis décembre 2022 toutes les informations cachées dans ses dossiers de cette entreprise Twitter qu'il a rachetée, des informations qui ont ensuite été analysées par des journalistes et puis reprises par la Chambre des représentants qui a été gagnée aux États-Unis par les Républicains lors des dernières élections, rappelez-vous, la Chambre des représentants qui a le pouvoir de lancer
des commissions d'enquête, ce qu'elle n'a pas manqué de faire sur cette affaire absolument cruciale. Les auditions ont commencé le 8 février dernier et je peux vous dire qu'elles sont sacrément gratinées. Et les faits qui sont dénoncés sont extrêmement graves. Il y a le fait d'avoir interféré dans l'élection présidentielle de 2020. On va y revenir, on va écouter un sonore à ce propos avec des chiffres, c'est très très important. Et encore plus grave peut-être, parce que ça révèle des compromissions plus importantes encore, ce sont les liens entre le FBI et Twitter. Mais s'il y a ces liens entre FBI et Twitter, on peut imaginer d'autres liens entre le FBI et d'autres réseaux sociaux. Pour commencer, je vous propose d'écouter Elise Stefanik. Alors Elise Stefanik, c'est une membre du Congrès, une républicaine. Écoutez. N'est-il pas vrai, d'après les dossiers de Twitter, qu'il y avait tellement de fonctionnaires du FBI qui sont ensuite allés travailler chez Twitter qu'ils ont créé leur propre canal Slack et leur propre fiche d'information pour l'intégration? Les dossiers Twitter l'ont confirmé, exact? Exact. Savez-vous, tout comme le peuple américain, que selon un sondage réalisé auprès des personnes qui ont été mises au courant de l'histoire de l'ordinateur portable de Hunter Biden, 53% auraient changé leur vote, dont 61% des démocrates. C'est la définition de l'ingérence électorale. Et c'est la définition de l'ingérence électorale par le FBI, au nom des démocrates, payée par les contribuables américains. C'est de la collusion, c'est de la corruption, et c'est inconstitutionnel. Dire bah, finalement c'est un système de corruption au plus haut niveau entre le FBI et Twitter. C'est d'ailleurs la définition de l'ingérence électorale par le FBI au nom des démocrates, payée par les contribuables américains. Oui, parce qu'un peu plus tard, elle explique qu'il y a quand même 3 millions de dollars de contributions qu'a donné le FBI pour faire censurer des informations par Twitter, des informations concernant les élections de 2020. On parle d'informations gravissimes là, qui sont révélées au grand jour, en plein dans cette chambre des représentants américaines. Et puis, elle finit par cette conclusion. C'est de la collusion, c'est de la corruption et c'est inconstitutionnel. Cette voilà. Commission qui mettait en avant donc 4 anciens hauts dirigeants de Twitter. Donc, c'est pas vraiment juste les petites mains, c'est vraiment des gens qui eux-mêmes ont été amenés à prendre ces décisions et qui influaient vraiment sur la marge de la compagnie et qui infusait un peu toute cette idéologie woke et cette collusion avec le pouvoir dont vous avez parlé. Donc c'est 4 dirigeants qui ont été sur la sellette. Mais allez-y sur le sondage. Voilà, juste pour faire court, on voit que c'est une affaire qui a été étouffée 10 jours qui précédaient donc l'élection en octobre-novembre 2020 concernant donc un ordinateur qui appartenait au fils de Joe Biden, Hunter Biden, qui a vraiment des matériaux très compromettants et vraiment moralement très critiquable et condamnable avant tout. Et il y a une censure qui a été effectuée en interne par Twitter avec une pression de la part du FBI, et c'est ce qui est en train d'être mis en avant, sachant que cet ordinateur, il n'est pas tombé de nulle part. Ça fait un an qu'il était entre les mains du FBI, cette affaire. On savait qu'elle allait être remontée. Elle a été noyautée en fait par le FBI. Elle a été absolument noyautée, effectivement, et c'était une volonté délibérée. Et le pire là-dedans, c'est que, selon les auditions, les témoignages des dirigeants consistent à dire qu'ils n'ont même pas cherché à vérifier ni quoi que ce soit, parce qu'il y avait vraiment des éléments tangibles qui auraient pu nécessiter de dire, au vu des implications que ça va pouvoir avoir, comme on le dit aujourd'hui, 50% des gens, des démocrates même, estiment que ça aurait pu reconditionner leur vote en faveur de Joe Biden. Mais c'est plus que 50, je crois que c'est 53. Alors, voilà, donc on dépasse la majorité. Ouais, absolument. Et ça montre bien que ces affaires ont un retentissement vraiment incroyable, que tous ceux qui ont voulu critiquer, je refais un saut en arrière, en 2016, les implications des ingérences d'États étrangers comme la Russie qui aurait pu inférer dans l'élection américaine, tous ceux qui ont critiqué ça pendant 4 ans sur le mandat Trump ont été les premiers à s'y prêter et à effectuer ça donc à la veille des élections présidentielles de 2020. Donc c'est éminemment critique. Il convient de se poser les questions de pourquoi ça a été fait et pourquoi chez Twitter. Une statistique à retenir, c'est 99% des employés de Twitter ont été des donateurs du Parti démocrate. Donc ils l'ont fait parce qu'ils savaient a priori, et à juste titre, le FBI savait que Twitter allait être docile, complaisant, et comme je dis, ils n'ont même pas cherché à vérifier la véracité de l'article ou non du New York Post, de pouvoir pourtant vérifier les éléments qui avaient été mis au grand public. Et ça, c'est d'autant plus critique, à plus forte raison qu'en France, on parle sur des questions de partialité, de parité dans le service public, et des choses comme ça. Tout à fait, même préciser que si ça se passe sur Twitter, il y a de fortes probabilités, et on a déjà des indices pour considérer que ça peut aussi
aussi être le cas pour Facebook et les autres. Les États-Unis se seraient-ils emballés à tort en abattant 4 aéronefs non identifiés dans leur espace aérien et au-dessus du Canada? Joe Biden sort de son silence et dégonfle quelque peu les spéculations d'espionnage chinois. Nous ne savons pas encore exactement ce qu'étaient ces 3 objets, mais rien pour l'instant ne permet de penser qu'ils étaient liés au programme chinois de ballons espions, ni qu'ils étaient des engins de surveillance d'un autre pays. Les objets, dit-il, seraient liés à des activités de loisirs ou à des organisations de recherche météo et scientifique. Pas d'excuses pour autant, ajoute le président américain, concernant le ballon abattu le 4 février. Un dispositif espion, selon Washington. Pékin a démenti, évoquant un simple ballon de recherche météo. La Chine a expliqué la situation à plusieurs reprises, mais les États-Unis ont su réagir et en ont fait le prétexte pour sanctionner les entreprises et les institutions chinoises. La Chine prépare des mesures contre les entités américaines portant atteinte à sa souveraineté et à sa sécurité, annoncé cette semaine le ministère des Affaires étrangères en représailles à des mesures américaines du même ordre. Mais en attendant les résultats d'analyse des rares débris récupérés en mer, selon ce que l'on en sait, et après l'annulation in extremis de la visite du secrétaire d'État américain à Pékin, Washington veut à présent calmer le jeu avec la Chine. L'ouverture ce vendredi à Munich de la conférence internationale annuelle sur la sécurité est l'occasion de renouer le dialogue sur fond de guerre en Ukraine, mais aussi de tensions toujours d'actualité autour de Taïwan, entre autres. La Chine a expliqué à plusieurs reprises la situation aux États-Unis, mais les États-Unis ont abusé de la force et ont réagi de manière excessive pour l'escalade de la situation et en ont fait un prétexte pour sanctionner illégalement des entreprises et des institutions chinoises, ce à quoi la Chine s'oppose résolument et prend des contre-mesures contre les entités américaines qui portent atteinte à la souveraineté et à la sécurité de la Chine et sauvegardera résolument la souveraineté nationale et les droits et intérêts légitimes. Un deuxième déraillement de train impliquant des matières toxiques a eu lieu aux États-Unis, cette fois-ci dans la ville de Détroit. L'accident s'est produit jeudi dans le township de Van Buren. Selon la police, aucun blessé n'a été signalé et rien n'indique que des matières dangereuses aient été exposées, bien qu'un wagon ait été signalé comme contenant du chlore liquide. Les autorités ont demandé aux résidents d'éviter la zone pendant l'enquête et plusieurs routes ont été temporairement fermées. Il y a près de 2 semaines, un train de Norfolk Southern avait déjà déraillé dans l'Ohio voisin, suscitant des inquiétudes quant aux matières dangereuses qu'il transportait. Les autorités ont assuré aux résidents qu'il n'y avait aucun danger, mais la crainte augmente. Le 3 février dernier, donc il y a quelques jours, un accident aux allures de cauchemar s'est produit dans la ville d'East Palestine, dans l'Ohio, aux États-Unis. 38 des 150 wagons d'un train transportant des produits toxiques ont déraillé, déclenchant un incendie qui a enfumé une grande partie de la ville d'East Palestine. Appel à l'évacuation, etc. Alors, de quoi s'agit-il? Bonjour André Sicolella. Bonjour. Bonjour Monsieur Sicolella, vous êtes chimiste, vous êtes toxicologue et chercheur français. Alors, évidemment qu'il y a eu des incidents, nombreux peut-être pas, mais répétés. Là, il s'agit de quoi exactement? Là, il s'agit effectivement d'un transport qui a mal fini, si on peut dire. Ouais. Le risque lié au chlore de vinyle, est bien une substance toxique bien connue. Hein. Elle sert à faire, c'est la substance qui sert à faire le PVC. Voilà. Le PVC, c'est quoi? Oui, dites-moi. PVC, c'est une grande matière plastique aujourd'hui. D'accord. Utilisée très très largement et qui avec des substances qui lui sont ajoutées avec des additifs. Oui. Induit un grand nombre de contaminations de l'environnement intérieur notamment. Oui. D'accord. Parce que le PVC utilise des plastifiants. Voilà. Et les plastifiants, comme les phtalates, sont aussi une grande famille de perturbateurs endocriniens. Oui. Alors là, quand il est sous forme de PVC, le chlore de vinyle a disparu en fait. Hein. Ah oui, d'accord. Mais là, quand il est comme il était dans le train, est-ce que véritablement ça peut provoquer ce qu'il dit, le mot de tête, et ça et plus aussi? Ah bah, sur le court terme, oui, c'est une substance qui a été très toxique. Alors elle est volatile, elle est très volatile, donc elle va se disperser. Ouais. L'enjeu, effectivement, c'est s'il y a eu effectivement combustion
on a, comme c'est des substances chlorées, on peut avoir des dioxines chlorées. Il faudra regarder cet aspect-là, mais moi, j'ai pas d'éléments précis pour le dire. Mais là, ça pose le problème de l'utilisation de certaines substances chimiques, en fait. Parce que des accidents, c'est tout à fait, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, c'est comment on agit en amont pour limiter les conséquences qui peuvent être très graves de ce type de contamination. Mais la contamination chronique, oui, donc, est beaucoup plus diffuse, évidemment, plus insidieuse, et c'est peut-être le plus important. Voyez, oui, elle peut arriver aussi. On peut arriver jusqu'à ces formes rares de cancer, ou vous parlez d'exposition chronique, et elle n'est pas exclue, malheureusement. Ah ben non, c'est même très très clairement démontré, je veux dire. Le PVC, d'ailleurs, fait partie des substances qui sont dans la liste de la feuille de route de la Commission européenne à éliminer d'ici 2030. Le diplomate chinois Wang Yi a co-présidé le 23e dialogue stratégique Chine-France avec Emmanuel Bonne, conseiller diplomatique du président français Emmanuel Macron. Les deux parties ont convenu que le développement sain et stable du partenariat stratégique global entre la Chine et la France revêtait une signification spéciale. Elles ont également convenu d'accorder un rôle dominant à la diplomatie des chefs d'État afin d'injecter un nouvel élan aux relations Chine-Europe en apportant de la stabilité au monde. Wang Yi a indiqué que la Chine avait la volonté de reprendre les échanges stratégiques financiers et de personne à personne, de même que culturels avec la Chine. Emmanuel Bonne a pour sa part affirmé que la France était désireuse de participer au forum Ceinture et Route pour la coopération internationale, d'intensifier à l'avenir la coordination ayant trait aux affaires internationales et de coopérer avec la Chine pour atteindre des objectifs communs de développement. Une enfant à l'air poupin, prenant dans ses mains le visage de Kim Jong-un. Son nom, Yuae, est apparu il y a quelques mois déjà, jamais de manière officielle. La fillette est la fille cadette du dirigeant nord-coréen et serait âgée de 10 ans, selon les services secrets en Corée du Sud. Le Monde la découvre en novembre 2022. Elle assiste alors, aux côtés de son père, au tir d'essai du missile balistique intercontinental nord-coréen le plus puissant, Hwasong-17. Elle réapparaît pour la seconde fois le 8 février 2023, à l'occasion d'une parade militaire. Une présence qui serait hautement symbolique. La Corée du Nord montre la fille de Kim Jong-un au public pour montrer qu'elle peut garantir la sécurité des générations futures avec l'arme absolue de l'État, Hwasong-17. Cela a une signification symbolique. De plus, il s'avère qu'ils attirent l'attention internationale et locale grâce à la fille de Kim Jong-un. C'est la raison pour laquelle il continue de montrer sa présence. Ce mardi, Pyongyang a annoncé que Yuae sera représenté sur de nouveaux timbres de propagande. Un signe, selon certains experts, qu'elle serait désignée héritière de son père. Pour d'autres, elle serait simplement un parfait instrument de propagande. Yuae a un grand frère qui serait âgé de 13 ans. Selon des spécialistes, il serait plus probable qu'il soit l'héritier désigné et qu'il se prépare à la succession en huis clos. Notre mission, c'est de poursuivre les enquêtes des reporters assassinés et de poursuivre leur travail donc sur la désinformation, ce qui nous a amené partout dans le monde, en Amérique latine, mais aussi en Afrique, en Israël. Et en Israël, effectivement, trois de nos journalistes ont infiltré plusieurs sociétés, dont une qui est une sorte d'officine cellule secrète, dont le patron se fait appeler Roré, et qui, durant les premiers entretiens, va expliquer ce qu'il est capable de faire. Et ce qu'il est capable de faire, entre autres, c'est... Donc il prétend avoir manipulé, être intervenu dans au moins 33 élections présidentielles, dont 27 avec succès, dit-il. C'est assez invérifiable, mais il va quand même faire une démonstration assez effrayante. Il va montrer en temps réel comment il est capable de rentrer dans le compte Telegram et les boîtes Gmail de trois conseillers très proches du président actuel du Kenya. Et ça, à l'époque, on était en août dernier. Et il était capable de rentrer donc, dans ce système de messagerie. Donc effectivement, on est face à des sociétés hyper puissantes avec une technologie nourrie par des algorithmes et des armées de bots, d'avatars, de faux profils qui sont prêts à relayer en une nanoseconde de la désinformation partout dans le monde. Alors, En Moldavie, le Parlement siffle la fin de la déstabilisation russe et approuve la nomination d'un nouveau Premier ministre.
Dorine Rechehan, conseiller présidentiel et ancien ministre de l'Intérieur, désigné par la présidente Maya Sandu pour remplacer l'ancienne première ministre Natalia Gavrilita, a obtenu la confiance des députés. Il s'est engagé à relancer l'économie, à poursuivre la voie d'un rapprochement avec l'Union européenne, mais aussi à lutter contre l'influence russe, accusée de vouloir déstabiliser le pays. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Paris interdit le diesel l'année prochaine. Rouen, Lyon, Strasbourg vont suivre. Les prix d'achat des voitures explosent, mais les alliés de Monsieur Macron veulent aussi exclure les Français qui roulent en voiture à essence. Pourquoi cet acharnement, alors que ces mêmes personnes vont faire du yoga à Bali en avion ou se font mousser à Davos en jet privé? Vous voulez punir toute une génération de conducteurs avec des arguments fallacieux et à coups de matraque, des radars tous les 20 mètres, des contrôles techniques tous les 2 jours, des vignettes d'exclusion, le litre d'essence à 3 euros. Les Français qui se lèvent tôt ont besoin de leur voiture pour aller travailler, pour aller chercher leurs enfants, pour faire des courses, pour éviter des transports en commun insécures et bondés. Ces sociétés de surveillance et de l'obéissance, ce n'est pas l'Europe que j'aime. Il faut arrêter avec la politique de la peur, de la culpabilité et de la punition imposée par votre agenda 2030. Le tout électrique, c'est ce que nous ne voulons pas, c'est une excuse de bobo colonialiste, car la voiture électrique ne pollue pas ici, mais en Afrique, dans les mines de cobalt, loin de vos lofts et résidences secondaires. Avec vous, pour une partie de la population, c'est la douche froide, la bougie en mangeant des... Est-ce que Albert Bourla et Ursula von der Leyen, dans leur SMS, désormais culte, que personne n'a vu, que personne n'a lu sauf eux, mais que tout le monde recherche aujourd'hui, eh bien, est-ce qu'ils se sont échangés quoi, des mots doux, des chiffres, sûrement des lettres, bien sûr. Et il a fallu attendre que le New York Times saisisse la justice afin de contraindre la Commission européenne à publier des messages échangés entre Ursula et Bourla. On aurait aimé d'ailleurs que ce soit peut-être un quotidien français qui le fasse, mais enfin, bah, écoutez, l'essentiel est que c'est fait, que ce soit fait, et aujourd'hui, effectivement, on voudrait savoir ce qui se passe. Et quelqu'un qui suit ça parmi d'autres, mais qui suit ça avec beaucoup d'attention, est Virginie Geron, qui est députée européenne, identité et démocratie. Bonjour Virginie Geron. Bonjour. Alors, Virginie Geron, où en est-on de ce feuilleton quand même extraordinaire? Parce que c'est la première fois qu'on parle tellement de SMS et d'échanges que, enfin, personne à part les auteurs et peut-être quelques-uns ont lu. C'est évidemment, ça porte, rappelez-le, sur une certaine somme d'argent et une certaine dose massive de vaccins. Oui, effectivement, la saga Ursula Bourla continue, mais je rappelle qu'il y a déjà une enquête en cours par la procureure européenne. Les citoyens européens l'ont saisie, moi j'en fais partie, et puis il y a aussi des procès en cours. Je peux pas trop m'exprimer encore puisque pour des raisons d'équité de justice, on peut pas trop annoncer la poursuite des affaires juridiques. Mais ça avance, Virginie Geron, il y a des affaires, ça avance le processus, enfin le côté européen, malheureusement depuis le signalement que l'on a fait depuis octobre, on n'a pas de retour. J'ai posé la question à la présidente de cette fameuse commission Covid dans laquelle je siège, pour savoir où ça en était. Elle non plus n'a pas de réponse. Mais ce qui est marrant avec cette commission européenne, c'est que toutes les questions que j'ai posées qui sont liées à ces SMS, au téléphone, au mari de Mme von der Leyen, normalement, il y a une règle très stricte qui dit que la commission doit nous répondre dans les 6 semaines. Mmh. Et en cas d'urgence, c'est 3 semaines. Et depuis l'année dernière, aucune réponse à ces commissions. Parce qu'ils estiment, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a plusieurs procès en cours et que la commission, pour se protéger dans toutes les réponses qu'elle pourrait produire, a décidé de ne plus rien transmettre concernant ce sujet épineux. Et vous l'avez bien fait de le rappeler, c'est dans l'histoire de l'Union européenne, c'est 71 milliards de contrats d'achat de vaccins, c'est le contrat le plus important. Il faut savoir que le budget de l'Union européenne, c'est 170 milliards d'euros. Ah oui, donc c'est un des contrats les plus importants, sinon le plus important jamais signé par la Commission européenne. Exactement. Ouais. En plus, celui du Pfizer, c'est, je rappelle, 2,4 milliards de doses. Au total, ils ont commandé 4,6 milliards de doses pour 447 millions d'Européens. Et on se rend compte aujourd'hui, c'est un autre scandale qui va sans doute, parce que les SMS, c'est un principe de base pour tout le monde, c'est d'avoir accès à tous les documents officiels de la commission pour des raisons de transparence. Et effectivement, le New York Times s'est saisi de la sphère et poursuit la commission sur cet article 42
qui prévoit pour les citoyens d'avoir accès à tout document officiel de l'Union européenne. Mmh. Et la Commission, qu'est-ce qu'elle dit ? Non, le SMS, ce n'est pas un document officiel. Donc c'est un peu là. Virginie Giraud, ils disent. Pour eux, ils disent quoi ? Oui. La Commission, que c'est privé, que ça ne ressort pas de. Ils disent que c'est privé ou pas ? Ils disent que c'est pas un document officiel. D'accord. Et du coup, comme c'est pas un document officiel, ils disent qu'ils n'ont pas transmis les SMS. Or, mais alors, la médiatrice européenne a oui. quand même est intervenue. Il faut se rappeler. Tout à fait. Oui. Elle a fait et elle s'est dit un avis contraire. Elle dit que tout document devrait être transmis puisque ça fait partie des négociations préliminaires et que c'est donc à ce titre qu'ils doivent tout transmettre. Et d'ailleurs, elle le dit, hein, qu'il y a une mauvaise administration et même la Commission oui. dit effectivement. Elle reconnaît une demi-responsabilité en disant qu'effectivement, il y avait un flou, donc ils n'ont pas considéré que le SMS rentrait dans le cadre de la négociation. Mais donc, vous avez la médiatrice qui a rappelé ce problème, mais aussi le rapport de la Cour des comptes. Donc, effectivement, il y a cette problématique de transparence. On voit que la Commission refuse de communiquer les SMS et puis tout ce qui concerne les réunions, les meetings, les calendriers. Et en fait, c'est elle qui dit, en fait, et c'est ça le problème, oui. c'est que c'est elle qui définit si oui ou non c'est un document officiel. Donc, oui. on attend aussi que le procureur avance, puisqu'on n'a rien depuis le mois d'octobre, pour pouvoir effectivement avoir l'intégralité de ces négociations, parce que c'est de l'argent public. Pfizer, c'est le plus gros contrat. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a 4,6 milliards de doses qui ont été commandées. Oui. En Europe, j'ai regardé les chiffres, il y a eu un peu moins d'un milliard de doses injectées. Donc, oui, parce que beaucoup refusent de faire la quatrième injection. Effectivement. Et oui. donc, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce qui voilà. reste et qu'est-ce qu'on fait avec l'argent, quoi, et les doses. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Puisqu'en plus, la Commission s'entête à continuer à négocier en dehors de nous intégrer dans le processus, puisque il y a une commission spéciale Covid qui est provisoire. Et en parallèle, on apprend par la presse qu'ils sont en train de Pfizer est en train de renégocier 500 millions de doses jusqu'en 2024 avec des prix qui apparemment frôlent les 100 dollars. Et ça, on n'est même pas au carrément. Courant. Mais un nouveau scandale au Parlement européen. La conférence des présidents des groupes a refusé, entendez bien, a refusé d'exclure Pfizer, les lobbyistes de Pfizer, des locaux même du Parlement, alors que c'était demandé par la commission Covid et par un groupe en représailles du refus du PDG de Pfizer de témoigner devant la commission d'enquête du Parlement européen sur l'affaire Covid. Je le répète, parce qu'il faut voir de quoi il s'agit. La conférence des présidents des groupes politiques du Parlement européen ont décidé de couvrir le scandale Pfizer. Vous savez de quoi il s'agit. Il s'agit des SMS entre Madame von der Leyen, présidente du Parlement, de la Commission de Bruxelles, et Albert Bourla, PDG de l'entreprise pharmaceutique Pfizer. En avril, je prends mes notes pour pas me tromper, en avril 2021, le New York Times, journal américain, révèle l'existence de textos portant sur la commande de 1,8 milliard de doses d'injection de vaccins anti-Covid pour 35 milliards d'euros. Commande faite par texto de Madame von der Leyen au PDG de Pfizer. Avril 2021. Depuis cette date, toutes les autorités de l'Union européenne, le médiateur de l'Union européenne en janvier 2022, la Cour des comptes européenne en septembre 2022, le parquet européen en octobre 2022, la commission d'enquête Covid début 2023 demande la communication de ces textos. Madame von der Leyen refuse. Madame von der Leyen refuse de venir comparaître devant la commission Covid pour répondre à des questions. Pourquoi ? Elle n'accepte de comparaître, scandale absolu, que devant les présidents de groupe à huis clos. Ça veut dire qu'elle veut étouffer l'affaire. Eh bien, Monsieur Albert Bourla, le PDG de Pfizer, refuse de venir témoigner devant la commission Covid du Parlement européen. Et vous vous souvenez que c'est devant cette commission qu'une de ses employées, une de ses directrices, avait révélé qu'il n'y avait jamais eu de test du vaccin sur la transmission du Covid. Eh bien,
la commission Covid et un groupe du Parlement, je crois que ce sont les Verts, les écologistes, ont demandé en représailles qu'à partir du moment où le président de Pfizer refuse de témoigner, eh bien que les lobbyistes, ceux qui défendent Pfizer, se voient refuser l'accès du Parlement européen. C'est quand même la moindre des choses. Eh bien, les présidents de groupe ont refusé. J'aimerais bien savoir le vote de chaque président de groupe. Et il faudra qu'on le sache. Alors, la pression et les taux se resserrent parce que le New York Times vient de porter plainte en justice devant la Cour européenne de justice pour obtenir communication des SMS. Madame von der Leyen ne s'en sortira pas et tous ceux qui ont couvert le scandale des injections. L'étau se resserre aux États-Unis et je l'espère que l'Europe ne deviendra pas, le Parlement européen, une république bananière. Ce sera un des enjeux clés de l'élection européenne de 2024 pour faire le grand ménage au Parlement européen. Et je demande à tous les députés qui se réclament des valeurs de transparence, qui défendent la nation, eh bien, de se battre pour qu'on sache ce qui s'est passé. En attendant, c'est un scandale incroyable. 35 milliards d'euros de commandes d'injection, 1,8 milliard de doses, et Madame von der Leyen refuse de s'exprimer en public, refuse de communiquer les SMS avec Monsieur Bourla. Monsieur Bourla refuse. Je veux dire qu'à partir du moment où il refuse, cela veut dire qu'ils ont beaucoup de choses à se reprocher. Et je n'accepte pas que les présidents de groupe protègent l'omerta, protègent la confidentialité, et j'espère qu'on aura bientôt la publication des votes des groupes. Je vais me renseigner, je viens de l'apprendre, car justice doit être faite et les Européens ont le droit de savoir ce que a été négocié, car je vous rappelle que les laboratoires pharmaceutiques ont obtenu qu'il n'y ait aucune plainte contre eux et que la responsabilité du produit soit reportée sur les États. Et nous n'avons toujours pas communication des contrats. C'est d'une gravité incroyable. Alors au moment où les effets secondaires se multiplient, où je demande une commission d'enquête en France sur les effets secondaires, nous devons avoir la vérité, mais la vérité triomphera, je peux vous l'assurer. En tout cas, je me battrai jusqu'au bout pour cela. Aidez-nous, nous allons nous battre et aider tous ceux qui se sont battus et notamment les groupes politiques qui ont demandé la transparence. À bientôt. On revenait ce matin sur cette curieuse intervention de la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak. Après une charge générale contre les médias, dont le groupe Vivendi est actionnaire, ce qui inclut Europe 1, elle a laissé planer la menace de suspendre les fréquences de CNews et de C8. Oui, pour nos auditeurs, il faut peut-être remettre cette intervention de la ministre dans son contexte. Donc le 9 février dernier, elle était invitée sur France Inter. Elle est invitée à réagir à l'idée d'une privatisation de l'audiovisuel public mise en avant par l'animateur Cyril Hanouna. Elle a jugé que c'était absolument inadmissible, ajoutant que l'animateur de C8 était en train, je la cite, de relayer une proposition que Marine Le Pen avait mise dans son programme. Alors, en tant qu'auditrice de France Culture, quand je n'écoute pas Europe 1, bien sûr, je ne suis pas forcément pour la privatisation du service public. Mais je pense qu'on pourrait en débattre, que c'est tout à fait discutable, sans être ramené à l'extrême droite. Mmh. Rappelons d'ailleurs que dans l'histoire, ce sont les régimes les plus autoritaires, pour ne pas dire fascistes, qui ont utilisé la propagande audiovisuelle d'État. Mais passons, parce que ce qui nous intéresse, c'est quand elle a été interrogée sur la possibilité pour CNews et C8 de perdre leur fréquence, elle a laissé planer cette menace. Il y a des obligations à respecter. Alors, est-ce que c'est vraiment une menace? Parce que sur ce point, elle n'a pas tort. Objectivement, il y a bien des obligations quand vous êtes une chaîne de télévision. Oui, mais je ne voudrais pas avoir l'air de prêcher à une heure de grande écoute. Mais j'ai comme une petite envie de rappeler à notre ministre de la Culture cette parabole bien célèbre de l'Évangile. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Parce que moi, je trouve hautement estimables ces obligations citées par Madame la Ministre, je les cite. Le respect du pluralisme, le fait de traiter les affaires judiciaires avec mesure, le fait de créer un débat contradictoire sur des sujets pouvant porter à controverse. Mais je trouverais d'abord prioritaire que le service public de l'information, financé par les contribuables, se les applique avant d'aller critiquer les chaînes privées. Ah bon, parce que ça n'est pas le cas, Eugénie? Prenons-les un par un. Le respect du pluralisme d'abord. Alors il suffit d'écouter tous les jours la radio publique pour observer, quelle que soit la qualité des programmes, que la pluralité des opinions n'y est pas respectée. Pour ces journalistes du service public, c'est clair, ils sont l'information et nous, pauvres médias privés, sommes l'opinion.
mais personne n'est dupe. Hein. Je vais vous citer une autre phrase célèbre de l'Évangile. Il est plus facile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un journaliste de droite de se faire embaucher sur France Inter. C'est dans la Bible, ça, ah oui, vous êtes sûr. Apocryphe. Deuxième principe, le fait de traiter les affaires judiciaires avec mesure. Parlons alors d'Élise Lucet, journaliste star de France 2. Elle a fait de son émission Complément d'enquête un véritable tribunal médiatique. Elle a même osé déclarer qu'il n'y avait pas de prescription en matière de journalisme. Troisième principe, le fait de créer un débat contradictoire sur des sujets pouvant porter à controverse. Alors il faudrait dire à la ministre de la Culture de faire passer le message au rédacteur en chef de France TV Slash. C'est le média en ligne de France Télévisions qui fait la promotion de l'écriture inclusive, du déboulonnage des statues historiques et, attention, tenez-vous bien, lance des appels aux dons pour le comité Vérité pour Adama d'Assa Traoré. Eugénie, on sent que ça vous agace, hein, ce deux poids, deux mesures médiatiques de la ministre. Oui, je pense que pour faire la leçon, il faut d'abord être irréprochable. Alors, un dernier exemple pour la route. Samedi soir dernier, sur France 2, dans l'émission « Quelle époque ?», Léa Salamé a reçu Le Serpent. Vous savez, c'est un tueur en série franco-vietnamien, soupçonné d'une vingtaine de meurtres et condamné pour deux. Est-il un escroc manipulateur de génie ou un dangereux serial killer? S'est interrogé Léa Salamé. Alors on le voit, Cyril Hanouna n'a pas le monopole du sensationnalisme et de la télévision racoleuse. Mais lui, au moins, a l'excuse de ne pas être payé par nos impôts. Voilà, ça s'appelle retour à l'envoyeur. Merci beaucoup Eugénie Bastier, qu'on a bonheur à lire dans Le Figaro chaque semaine et qu'on va retrouver mardi dans le club de la presse Europe 1 face à François Calfon. Merci beaucoup Eugénie. Merci Catherine, merci toutes les deux. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Censure, de la Culture, pardon, de la Culture. C'est à s'y méprendre. Madame la ministre, le 9 février dernier, vous avez clairement menacé de ne pas renouveler les fréquences de chaînes d'information privées depuis les studios de médias publics. Ces propos choquants représentent une atteinte à l'indépendance de l'ARCOM, chargée de réguler la communication audiovisuelle, une atteinte au pluralisme porté notamment par le travail des équipes de C8 et CNews, suivie par plus de 11 millions de téléspectateurs quotidiennement. Une menace faite à la liberté d'expression au débat démocratique. Madame le ministre, si vos propos portent les valeurs de la République, ce sont celles d'une République soviétique ou d'une République bananière. Dois-je vous rappeler que nous sommes ici à Paris et pas à Pyongyang ni à La Havane? Votre atteinte à la liberté d'expression et au débat démocratique est aggravée par un deux poids deux mesures, car samedi encore, la chaîne publique France 2, incapable d'égard pour les élus d'opposition, accueillir en vedette un tueur en série, sans réaction de l'ARCOM ni de votre part. Vous avez une conception et une application très sélective du rappel du cadre de la loi. C8 collectionne, elle, près de 6 700 000 euros d'amende depuis 6 ans pour, disons-le, non-respect de l'idéologie dominante. Mais Mona Interman et Françoise Laborde, toutes deux anciens membres du CSA, aujourd'hui ARCOM, n'ont pas manqué de dénoncer votre insupportable pression. L'essence même de l'ARCOM est, devrait être, sa totale indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. En appelant l'ARCOM à agir, vous avez déjà, et vous êtes déjà dans l'ingérence et la pression. La vérité, c'est qu'en 2025, nous serons à 2 ans de l'élection présidentielle et que vous ne supportez plus que l'opposition puisse s'exprimer sur une chaîne qui pourtant fait preuve, elle, d'une véritable pluralité en invitant toutes les opinions à s'exprimer. Alors, Madame le ministre, alors que le renouvellement des fréquences de la TNT a lieu en 2025, plutôt que de bravade ou de fanfaronnade, quelles garanties pouvez-vous nous apporter pour assurer le pluralisme, la liberté de l'information et du débat dans l'audiovisuel français? Bonjour Eric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. On va revenir sur l'effondrement de la production d'électricité en France. Ouais. On l'a appris hier, jamais la France n'aura produit aussi peu d'électricité, c'était l'an dernier, et les chiffres, le constat est assez terrible. Oui, c'est un constat sans appel sur l'effondrement de la production d'électricité l'an passé en 2022. C'est un constat sérieux qui est dressé par RTE, vous savez, l'entreprise qui transporte le courant en France. L'effondrement s'explique par la baisse historique de la production nucléaire, bien sûr, d'électricité dans notre pays. Elle représentait 70% en 2020 et seulement 62% l'an passé. Ça veut dire qu'on a perdu 8 points en 2 ans. Alors, comme les énergies renouvelables ne sont pas encore à la hauteur et que l'énergie hydraulique n'a pas donné son plein rendement
notamment à cause des sécheresses. Bah voilà, vous avez ce constat sans appel de l'effondrement de la production d'électricité de notre pays. Alors, quelles sont les raisons de ce fiasco? Le parc nucléaire en partie immobilisé, probablement, c'est ça? Oui, la maintenance du parc nucléaire, l'arrêt, bon, pour corrosion des réacteurs, on en a beaucoup parlé, mais il y a aussi, il faut le dire, des raisons politiques inscrites dans le temps, des raisons à ce fiasco. Emmanuel Macron, bah, d'abord, au début de son premier quinquennat, a délibérément sous-investi dans le nucléaire, hein, croyant plus fortement au mix énergétique, vous savez, les 50% d'énergie renouvelable, hein, photovoltaïque et éolienne, et 50% de nucléaire. Bah, Emmanuel Macron suivait tout simplement les choix de François Hollande jusqu'à la fermeture de la centrale de Fessenheim. Mais tous ces choix sont des choix politiques avec quand même beaucoup de complaisance à l'égard des écologistes. D'ailleurs, l'ancien premier ministre socialiste Manuel Valls a reconnu il y a quelques jours que la décision sous Hollande de réduire la part du nucléaire, Patrick, que cette décision ne répondait à aucune étude d'impact. C'est une décision lourde, évidemment, pour l'avenir de la France, on le voit aujourd'hui, mais c'est une décision politique qui a été prise au petit bonheur de la chance, de l'alliance, du moment entre le PS et Europe et l'écologie les Verts. Ouais. Ben, c'est aussi une des raisons du fiasco. Ouais. Et comment notre pays a-t-il pu éviter les coupures massives d'électricité? Alors avec cet effondrement de la production d'électricité, le gouvernement a mis en place, vous vous en souvenez, hein, voilà, la campagne de sobriété, hein, les Français devaient se serrer la ceinture, remonter les cols roulés, sortir les pulls verts dans les appartements, réduire le chauffage. Les entreprises aussi ont réduit leurs factures, car nombre d'entre elles ont cessé de produire devant l'envolée des coûts de l'électricité. Résultat, on peut s'en réjouir, hein, 4,2% de consommation en moins l'an dernier d'électricité. Bah, deuxième explication aussi, Patrick, comment on a évité ces coupures, bah, en important massivement du gaz et de l'électricité sur le principe du système de solidarité européenne, une solidarité autour d'un tarif réglementé à la sauce bruxelloise, un tarif qui a explosé un peu plus notre déficit commercial. Puis troisième explication, bah, l'hiver jusqu'à présent n'a pas été extrêmement et durablement rigoureux, ceci explique cela. Mais globalement, il faut quand même le dire, nous sommes, avec la guerre en Ukraine, plongés dans une crise énergétique de l'ampleur du premier choc pétrolier de 1970. Emmanuel Macron a décidé de relancer le programme nucléaire. La souveraineté énergétique française résistera-t-elle aux erreurs politiques accumulées, à la concurrence mondiale? Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Bon, beaucoup de questions, peu de certitudes et pas beaucoup de réponses à ce stade. Oui, et puis autre inquiétude, hein, pour le nucléaire, il faut aussi, pour refroidir les réacteurs, évidemment, de l'eau. Et évidemment, on sait que les centrales sont implantées près des rivières et des fleuves. Et là, avec la baisse des cours et cette inquiétante alerte sur le manque d'eau, c'est aussi inquiétant par rapport aussi au parc nucléaire. Donc vous voyez, il y a une conjonction, malheureusement, qui est un peu angoissante.